Alors dans cette vidéo ici, on va essayer de comprendre comment évoluent les nombres d'oxydation quand on se balade dans le tableau périodique. Parce que tu vas voir que finalement, comme ces nombres d'oxydation sont liés au remplissage des couches électroniques des éléments, et on sait bien que le tableau périodique, c'est exactement ce qu'il nous dit. Donc on va pouvoir en tirer des tendances qui ne sont pas toujours vraies, mais qui nous aident un peu à pressentir le comportement d'un atome dans une molécule donnée. Donc on va commencer par la colonne ici. Donc on va laisser l'hydrogène de côté parce qu'on verra tout à l'heure que c'est un cas spécial, mais la colonne ici des alcalins. Alors ces alcalins, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction, eh bien ils ont globalement une électronégativité faible. Et en plus de cela, ils ont un électron de valence uniquement sur leur couche. Donc on se dit que finalement, ils vont avoir qu'une envie, c'est de libérer cet électron, de donner cet électron. Et dans ce cas-là, ils vont plutôt avoir tendance à avoir un nombre d'oxydation qui serait plus 1. Et alors, tu sais, on avait dit que le nombre d'oxydation, c'était finalement une charge hypothétique. Mais dans le cas des alcalins, en fait, c'est même pas hypothétique parce que très souvent, ils vont avoir tendance à réellement former des ions et des liaisons ioniques. Donc tu vois que c'est un cas où le nombre d'oxydation se rapproche vraiment d'une charge. Pas toujours, mais vraiment d'une charge. Donc, ces éléments sont réducteurs et ils vont avoir tendance à donner un électron, et donc leur nombre d'oxydation sera plus 1. Alors, si maintenant on se décale un tout petit peu d'une colonne, donc on va prendre la colonne ici, donc qui est la famille des alcalinotéreux. Alors, les alcalinotéreux, eux, eh bien, ils ont deux électrons sur leur couche de valence. Donc, ils vont pouvoir donner deux électrons. Tu vois, ils vont facilement donner ces électrons pour avoir leur couche de valence qui est pleine. Parce qu'en effet, tu vois que s'ils devaient remplir toute leur couche de valence ici, il leur faudrait gagner 6 électrons, ce qui est vraiment peu probable. Donc, on voit que le nombre d'oxydation des alcalinotéreux, ce serait plutôt plus 2. Et je répète, hein, c'est pas forcément vrai, mais c'est des tendances. Tu vois, c'est en regardant le comportement d'un atome seul, on a tendance à dire qu'il aimerait perdre 2 électrons. Mais après, mis dans une molécule, il peut se passer d'autres choses. Alors, si maintenant on continue, on va carrément passer à l'avant-dernière colonne ici. Donc, c'est la colonne des halogènes, hein, comme on l'a déjà vu. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ces halogènes, eh bien, il leur manque un électron pour compléter leur couche de valence, pour arriver donc à 8 électrons sur leur couche de valence. Donc, on sait qu'ils vont avoir qu'une envie, c'est de capter un électron. Donc, leur nombre d'oxydation, ça sera plutôt moins 1, tu vois. Ils vont vraiment avoir envie de gagner un électron. Alors si maintenant on se décale d'une rangée vers la gauche, donc par exemple on prend la 16e colonne ici comme ça, alors là on voit que c'est la colonne de l'oxygène. Donc on peut se dire qu'en fait tous ces éléments, ils vont avoir tendance à se comporter comme l'oxygène, c'est-à-dire qu'ils vont aimer gagner 2 électrons, donc avoir un nombre d'oxydation égal à moins 2, afin de compléter leur couche de valence. Et si on se décale encore un cran vers la gauche, donc par exemple hop, ici, eh bien dans cette 15e colonne, eh bien on voit que ils vont avoir tendance eux à vouloir gagner les 3 électrons qui leur manquent pour compléter leur couche de valence et que donc leur nombre d'oxydation ça sera plutôt moins 3. Donc on voit que si je résume, à la droite du tableau périodique, nous avons des oxydants. Alors qu'à la gauche du tableau périodique, on a plutôt des réducteurs. Alors, je le répète, tu vois, ça, c'est juste des tendances, c'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est, si on prend l'élément tout seul, c'est le comportement plus spontané qu'il peut avoir. Après, quand tu mets dans une molécule, il a des voisins, et des fois, ça peut changer justement son comportement. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les cas extrêmes, c'est plutôt ces comportements-là qu'on va observer. Et on voit que plus on se rapproche en fait du centre du tableau périodique, eh bien moins ces comportements seront affirmés. Puisque finalement, quand tu es au milieu, tu peux soit perdre les électrons pour vider ta couche de valence et avoir l'avant-dernière couche pleine, ou bien tu peux essayer de remplir ta couche de valence pour essayer de combler cette couche-là et d'avoir 8 électrons. Donc tu vois que finalement, quand tu es au centre, eh bien c'est un comportement un petit peu plus subtil. Et bien maintenant, on va parler du cas de l'hydrogène, parce que je t'ai dit, l'hydrogène, il a un cas un petit peu spécial. Parce qu'en effet, donc si j'écris ici, l'hydrogène, il a un électron sur sa couche de valence. Sauf que lui, sa couche de valence, elle comporte deux cases uniquement.
Donc en fait, il peut soit vouloir gagner un électron pour arriver à deux électrons sur sa couche de valence, ou bien, pardon, gagner un électron, ou bien il veut perdre un électron pour avoir zéro électron sur sa couche de valence. Donc tu vois que finalement, l'hydrogène, eh bien que dans ce cas-là, il peut soit avoir le nombre d'oxydation plus 1, ou soit moins 1. Ça va dépendre. Il peut être aussi bien oxydant que réducteur. Et alors, pour bien comprendre tout ça, ben on va prendre un exemple. Donc, par exemple, on va prendre un cas où l'hydrogène, il est oxydant. Donc, pour ça, on prend une molécule comme par exemple l'hydrure de lithium. Donc, ça s'écrit LiH. Et alors, tu vois que dans l'hydrure de lithium, si je regarde où se trouve le lithium, eh bien, le lithium, il est en dessous de l'hydrogène. Ce qui veut dire que si mon électronégativité varie comme ça, eh bien, l'électronégativité du lithium sera plus faible. Donc, en d'autres termes, l'électronégativité de l'hydrogène sera plus forte. Ce qui veut dire que l'hydrogène ici, il va avoir tendance à prendre les électrons. Donc, il va avoir un nombre d'oxydation égal à moins 1, alors que le lithium aura un nombre d'oxydation égal à plus 1. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'hydrogène oxyde le lithium. Si maintenant je prends un autre cas où l'hydrogène, il est réducteur, donc par exemple, je peux prendre l'ion hydroxyde. Donc l'ion hydroxyde, ça s'écrit HO-. Alors là, pour bien comprendre, en fait, je vais écrire la molécule. Je vais repartir de la molécule d'eau. Comme ça, on va voir que, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, il y a une charge. Donc en fait, la molécule d'eau, si je dessine ses électrons, j'en ai deux ici, j'en ai deux là, j'en ai un ici et un là. Et les hydrogènes, ils sont comme ça, avec un électron ici et comme ça, avec un électron là. Ce qui veut dire que donc mes liaisons covalentes, elles sont comme ça. Et donc voilà. Et l'ion hydroxyde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'en fait, les deux électrons ici, ils vont basculer, ils vont être pris par l'oxygène. Donc ça va me donner, si je réécris bien avec les couleurs, l'oxygène qui aura deux électrons ici, deux électrons là, un ici et un à lui, et il en aura gagné un de l'hydrogène ici en bleu. Et donc plus, pardon, j'ai oublié l'autre hydrogène, donc comme ça, l'autre hydrogène, donc je retrace ma liaison, plus donc H+. Donc là, je n'écris pas en couleur. Donc tu vois, finalement, il a bien une charge moins, il a ces deux électrons-là qui lui donnent une charge moins. Et donc si maintenant, bien, on regarde en termes de nombre d'oxydation ce que ça veut dire, bien ça veut dire que ici, donc l'hydrogène, il va avoir tendance à perdre cet électron au profit de l'oxygène, donc il va être plus 1, alors que l'oxygène, lui, il va gagner ces deux électrons-là, donc il va être moins 2. Donc voilà, tu vois qu'on a encore trouvé ici, donc enfin qu'on a encore que ici on a trouvé que l'hydrogène était un réducteur. Et alors là, on va faire un petit point un peu important. Donc je t'avais dit dans l'introduction que la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge de la molécule. Et donc on peut vérifier ça ici. Donc dans le premier cas, je dis que le nombre d'oxydation du lithium plus le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans l'hydrure de lithium, eh bien c'est égal à plus 1. Plus 1, pardon, moins 1, c'est égal à 0. Donc on trouve bien une molécule neutre. Alors que dans le cas de l'ion hydroxyde, HO-, eh bien le nombre d'oxydation de l'hydrogène plus le nombre d'oxydation de l'oxygène, eh bien ça me fait plus 1, moins 2. Ça me fait donc moins 1. Et ce qui est égal bien à la charge globale de ma molécule. Donc tu vois qu'en fait, en observant le tableau périodique, eh bien on peut pressentir le comportement plutôt réducteur ou oxydant d'une entité, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours en situation que ça se calcule. C'est quand l'atome est dans la molécule qu'on peut calculer son nombre d'oxydation et savoir s'il va jouer plutôt le rôle d'oxydant ou de réducteur.